Ok, donc aujourd'hui on va vous montrer comment avoir un front track. Comment avoir un front track parfait. Front track, position de front squat. Donc Reka, position de front squat, montre-nous comment on fait. Position d'haltérophile. Voilà, recule un peu. On voit les coudes bien haut, la barre sur le delto post, delto antérieur, pardon. Voilà, donc comment avoir cette position. Primo, vas-y, tu peux poser la barre. Il est sérieux en plus. On va venir se masser le triceps sur la barre, tout simplement. Donc on va essayer de niquer surtout, de masser surtout la portion longue. On peut le faire surtout sur la grosse partie, les embouts. Et du coup, on essaie de mobiliser l'épaule. Hop, on vient se masser le triceps. Première étape. Deuxième étape, on chope un élastique de bonne tension. On l'accroche par exemple au pied. Et tu viens le mettre derrière toi. Hop, je me recule. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire avec ta main gauche, tu vas venir pousser vers l'intérieur ton coude, toujours vers le haut. Tu pousses vers l'intérieur et tu résistes avec ton coude. Donc en gros, tu pousses vers l'extérieur ton coude et ta main elle le pousse vers l'intérieur. En gros, tu dois résister, tu vois. On repousse vers l'extérieur ton. Hop. Pareil, on vient chercher vers l'extérieur. Hop, vers l'arrière, etc. Normalement, ça arrache bien au niveau des dorsaux. Dernière étape, c'est si vous avez un copain, un ami, un friend. Ça, on voit bien. Et ensuite, moi, je vais venir pousser sur les coudes vers l'intérieur et lui, il doit résister. Allez, on essaie de garder les coudes bien haut. Hop, et là. Et voilà, vous avez devant vous un haltéro chinois. Et voilà, à bientôt.